Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du Vaillant Petit Page. Donc on est au cours du chapitre 6, Hyper Métal. Ouh. Alors, pour prendre. Allez go. Qu'est-ce que c'est ça? Un lapin? Un lapin ardeux. Salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe au Montrague, petit lapin? Ça va mal, des hommes avec des bâtons pointus, des grosses machines là-haut sur la montagne. Dans ton village. Merci le lapin, c'est justement là qu'on va. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a tout qui est fermé. Hey, Barbelune, le Bluetooth passe bien dans la montagne. J'ai 4 barres. On dirait qu'il y a des portails explosifs par ici. C'est pratique pour te propulser quelque part, Laïus. Vas-y, lance-toi comme un boulet de canon. Barbelune, terminé. Des portails explosifs? Ah merde! Oh, c'est chiant ça! Je fais de la haute voltige. Pourquoi je peux sortir? Jette un œil sur s'il n'y a pas des choses à récupérer, mais ça m'étonne qu'il y ait un portail pour sortir de là, si au final ça sert à rien. Par Tony Tungsten. M'impressionnera toujours mon pote. Ah, si jamais, genre, tu t'envoyais dehors, en dehors du livre, c'est ça? Au cas où? Ah, je me dis, c'est peut-être ça, mais... Un portail avec deux trous de serrure de forme bizarre. Ce qui veut dire qu'on doit trouver deux clés de forme bizarre, c'est pas sorcier. Oh, qu'est-ce qu'il va là? J'aime même les arbres, ils font des signes de métal. Tu as vu, lui, il fait ouais, comme ça. Allez, les deux doigts là. Ouais.
Alors, nouvelle œuvre d'art. Ah, c'est rigolo ça. Allez, promis, c'est fait. C'est quoi ces trucs là? Au milieu là? Ce genre de fantôme dégueulasse là. Il reçoit et des piques et tout lui. Ah, je mets une toile de sang, cool. Parfait. Krong? Et c'est toi, Crash? Par Trag, ça fait bien des années. Grand-oncle Krong, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rashcus et ses troupes, ils ont attaqué par surprise. Ils ont fait sauter le haut de la montagne et envahi notre mine de métal. J'ai essayé de protéger le village, les soldats m'ont attrapé et jeté ici. Mais il m'en a fallu 20 pour m'avoir. Le vieux Krong a broyé beaucoup de crânes. Crash, mon petit, ils ont emprisonné les villageois. Tes parents, toi seul, peux les sauver maintenant. Mon cher neveu, ne vois-tu pas ce cratère-là? Je me suis écrasé sur le sol, tu sais. Non, c'est bientôt la fin pour moi. Il est temps pour moi de monter au Trollala. Écoute, quand tu étais jeune, tu t'étais détourné de la voie du guerrier du métal. Mais tes parents et moi, nous avons toujours vu que tu avais du potentiel. Pour sauver Trag, tu dois maîtriser ce potentiel. Je sais que tu peux le faire. Oh non! Oh non, il est mort! Ah ouais, d'accord, ok. Drôle de façon de... Dans la façon genre d'être deg un peu, genre le mec il vient à peine de retrouver son oncle, le mec il arrive, genre son oncle il est là, genre il meurt, il monte au Trollala et l'autre il arrive, il fait ouais d'accord, ok, c'est des trolls, mais bon, je sais pas, par logique, genre tu devrais être un peu triste, quoi, tu vois. Pourquoi il y a un truc noir là? Il y a une trou là. Bon, déjà j'achète ça. Ah mais c'est trop cher ce qu'elle te demande. On est encore bloqué, laisse-moi m'occuper de ça. Bonjour monsieur, vous pourriez nous ouvrir les portes? On a une affaire importante à régler, c'est assez pressé. Impossible, personne ne peut monter plus haut. Sauf si vous avez un pass. Si vous avez un pass, alors oui, bien sûr, vous pouvez y aller. Un pass? Je n'ai pas de pass, Laïus.
On pourrait fouiller dans les buissons, quelqu'un a peut-être perdu son passe dans le coin. Les trolls des montagnes sont assez souvent maladroits, je dois l'avouer. Vous cherchez un pas, je crois qu'il y en a un dans une grotte près d'ici. Elle a peine à mis à l'abri dans un coffre. Cherchez une grotte. Ok, écoute-moi bien, si tu cherches l'entrée d'une grotte, tu peux la repérer en tournant un peu les pages. Oui, ça je l'ai vu ça. C'était un conseil gracieux de ce bon vieux Barbelune et hop, je file. Par contre, ouais, voilà, ouais, c'est ça qu'il faut. Alors, parfait, nickel. Du coup, je vais pouvoir aller acheter enfin la technique à 200. Il était temps, hein. Après 3 chapitres. Ah, en plus, elle a reçu des nouveautés. Ah, la barre. Ah bon, au moins déjà, il n'y a pas de truc caché derrière. L'attaque sautée. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Là, tu sors. Là, tu fais ça. Voilà, tu fais ça. Mais ça, je l'ai vu la grotte quand même. Oh les bâtards! Allez, parfait. Vous cherchez un pass? Nous, on a là, hein. Enfermé dans un coffre rouge, ouais. Le pass est enfermé dans un coffre, mais si vous êtes malin, vous pouvez l'avoir. L'ancienne mine était lugubre. C'est pas mal quand même quand il y a plusieurs ennemis, ouais. Je viens aux nouvelles, c'est plutôt glauque comme coin. Cet engin d'inventeur ressemble à un wagonnet. Je parie qu'il tournerait sur le rail si on le faisait pencher. Amuse-toi bien, gamin. Barbelune terminée. Ouais, ça va, j'avais compris, mais... Ok. Alors, attends, si je m'amène là... Comme ça... Comme ça... Là, il y a une coffre là, sauf que là, il y a une clé. Alors, attends... Oh, ok, manipuler. Non, je vais juste pencher le livre. Bon. Comme ça. Tu vas vite, toi. Non. Ouais, mais c'est chiant et ça va toujours au même endroit donc d'accord. Ouais, non, mais ça va toujours au même endroit. C'est quoi ça?
Oh, c'est long le tuilu. Le levier rouge ouvre le coffre rouge. Ok, mais il y a deux coffres rouges. Logique, ouais. Première question, c'est comment je fais pour les récupérer? Ouais, tu vois, je peux pas lâcher le truc, en plus. Je peux pas essayer de sortir genre pendant le truc qui descend, ouais, donc. Bah, je peux pas récupérer l'autre coffre, je comprends pas, c'est chiant. Attends. Viens là, toi. Viens là. Toi, viens là. Putain, je crois que j'ai compris, con. Wouah, c'est technique, celui-là. Là, tu fais ça. Là, tu fais ça. Voilà. Et là, par logique, il s'arrête pile là. Ouais, il était technique un peu quand même, hein. Ah, c'est bien contre eux. C'est que... Ah merde, je pensais que ça allait toucher quand même. Qu'est-ce que c'est ce gros troll avec ce pioche, hein.
Voilà. On a le badge. Super, tu peux ouvrir le portail et poursuivre ton ascension avec Crash. Bon, ça va, j'ai compris que je pouvais y aller, mais... Il n'y a pas besoin de me le dire, hein. Que Trag vous garde. Nos héros escaladèrent la falaise à pic, montant toujours de plus en plus haut. Hey, t'es vite à l'ascension, qu'est-ce que c'est ça? Krong. Oh bonjour, je ne fais que passer. Les trolls de montagne qui montent au Trollala peuvent revenir brillamment sur la montagne. S'ils ont une affaire très importante à régler, j'en ai une t'entraîner à devenir un vrai guerrier du métal, Crash. C'est un nuage de location, je n'ai pas beaucoup de temps, mettons-nous au boulot. Viens là, mon garçon. On va voir si tu es habité par l'esprit de Trag. Dis Krong. Releva le défi. Et ils ont tous des gros bras ici, non? Ah, c'est quoi le but? Ah. Ah, d'accord, ok. Avec le lapin là-bas qui regarde. Putain, ils sortent de l'écran et tout, les bâtards. Ah merde! Elle est pas mal la musique. Allez, plus qu'un pour le vaincre. Oh, je prends le tarif là. Oh, je prends le rythme. Je pensais qu'il allait le renvoyer deux fois, moi. Heureusement, j'ai eu de la chance, sinon je perdais. Hein. Tu as fini par prendre le dessus, mais je suis mort, j'ai tendance à me ramollir un peu. Il va falloir que tu fasses des progrès si tu dois affronter un adversaire vivant et agressif. Je dois rendre mon nuage à l'agence de location, je file, sinon je vais payer un supplément. Bon chance. Je garde un œil sur vous. Adieu, Krong.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé la batterie comme ça. Je suis gonflé à bloc. Allez, viens, on s'arrache. C'est sympa là, ça, c'est cool, ouais. Fait de renvoyer les urnes, ouais. C'était pas mal, ouais. Attends, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce que c'est ? Réception de vis. Transport de vis en avant. C'était un peu chelou, non ? Salut les petits, cette énorme vis ne vient pas de notre monde. On dirait que Rashcute rapporte des pièces métalliques venant du monde extérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer un robot, l'autre ? Machines infernales. Et, ah putain, c'est pas là où il y avait la créature qui était dessinée et tout à un moment? Si, je crois, ouais, il y avait une genre de créature métallique et tout sur le dessin. Elle a disparu. Comme toujours avec cet endo, il fonçait vite au sommet et voyez ce que fabrique ce rage dingo. Barbelune terminée. Donc là, je peux aller nulle part. Qu'est-ce qui arrive à lui, le pauvre? Désolé si je rends comme une feuille, il y a un gros méchant rat qui me file la pétoche. Il se cache dans un trou obscur. Si tu passes devant, il bondit pour te dévorer. C'est la mort assurée, sauf si tu trouves du fromage quelque part pour distraire le rat. Ça nous éviterait de nous faire ronger et tu pourrais passer ton chemin en toute sécurité. Tout le monde y gagnerait. Oh, le pauvre! Donc là, il y a un portail. Ok. Donc là, il y avait un gros bloc de bois. Ça, je pense que je vais pouvoir le dégager. Sauf qu'il me faut du fromage. Ah, attends. Si je passe devant, il sort et il me déboîte. Ok, ça sert à quoi d'aller là? Il me faut du fromage. Du bruit, ça, je comprends pas. De toute façon, ça s'allumerait s'il y avait un truc à faire, mais... Pourquoi c'est tout noir sur un côté de la page? Ah, d'accord. Attends. Viens à toi. On dirait qu'on peut le briser ce truc là-bas, non? On dirait que le mur il se pète, mais... Allez, ramasse-moi ça.
Plus facile pour briser le mur, du coup. Donc là, tu fais ça, là, tu ressors. C'est pas ce que je te demandais. Allez, saute. Ok. Alors, il y avait un champignon de lumière. Il n'y a rien à détruire. Laïus s'épousta et se releva pour se battre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Ah, une clé là. Mais ils sont chiants quand tu sais les éliminer là. Mais rien. C'est quoi ça? Bois? Ah ouais, non, ça c'est le truc du mot bois de machin. Il y avait des champignons de bois. Ça change un truc ça. Il y avait des champignons de bois. Ok. Et la clé servirait à ouvrir quoi? Ah. Et je comprends pas pourquoi je peux pas dégager le mot sombre. Putain, d'accord, ok. Oh, il faut y penser. Un gros bloc de lumière. Ah, je pensais que c'était bois ou bois au métal, moi. La lumière. Ça, c'est bien passé, je crois.
Ok, du coup, il y a quoi à récupérer là? Là, tu passes là. Des miettes de fromage recouvrent le sol. Ah, c'est sûr que c'est plus tranquille. Hein. Des champignons, les crus. Ah, j'ai eu un trophée pour sa tête. Il y avait un gros bloc de fromage. Attends, juste par curiosité. Juste un truc, juste par curiosité. Ces pieux de fromage étaient en kikinan. J'ai envie de voir ce que ça donne. Juste par curiosité, hein, mais... Ben voilà. Le fromage nous sauve la mise. Tu peux passer maintenant, je te souris peut-être plus tard, je veux voir le concert. Bonne promenade. C'est méchant ça, non? Qu'est-ce qu'il a lui? Encore un qui a balancé tous ces serpents ici. Ça va, je suis là, t'inquiète pas, j'ai une arme. Hein. Ah ouais, j'ai compris, tu avais la phobie des serpents. Ouais. C'est la honte, mettons ça dans notre liste d'objectifs d'amélioration de Crash. Ah, c'est pas grave, mais bon, il n'y a pas besoin non plus de partir comme ça. Hein. J'aurais protégé mon petit Crash. Cœur battait à tout rompre, on aurait dit un solo de batterie. C'est Trag, le légendaire guerrier du métal en train d'envoyer du lourd. On dit qu'il transmet son énergie à tous ceux qui vivent sur la montagne. Tu sais, en grandissant ici, je n'ai jamais vraiment pigé, mais maintenant je ressens en moi le feu des trolls des montagnes. Vous êtes des fauteurs de troubles. Alerte, envoyez du renfort. Ah.
Allez, tu vas y arriver. Ça avait l'air dangereux. Légèrement. Et c'est rapide. Ouais, la rose dans le vase à bec. Oui, ne touche pas la verte. Si tu t'en renverses dessus, tu seras transformé en groseille. Je suis dans mon labo de magie, je bosse sur des potions avec Violette. Tout se passe bien, mais n'arrête pas de bassiner avec cette histoire de vie dans un bouquin. C'est une obsession. Enfin bref, je crois que vous vous retrouvez dans une impasse tous les deux. Vous n'arrêterez pas cette machine en lui demandant poliment, vous savez, non, je crois qu'il faut l'arrêter avec un objet spécial. Un objet que tu pourras trouver sur la table. Ok. C'était quoi la grosse boule là? C'est ça le fameux objet? J'adore l'animation des ennemis, c'est trop beau dans le monde réel. Ah d'accord, ok, fallait éliminer les ennemis. C'est des ennemis ça aussi. Ouais, mais eux balancent rien donc c'est compliqué. Hey, salut, j'adore ton antenne, elle est soyeuse et ondulée. Moi c'est Zip, enchanté. La U, c'est ça? Tu cherches quelque chose? Mon père Zap pourrait sûrement t'aider, il est très malin. Mais là, il a surtout été démonté. Des soldats désagréables ont déboulé sur notre petite planète et l'ont désassemblé. Ils ont éparpillé ces fragments et tout, c'est vraiment pas cool. Si tu m'aides à le réassembler, il pourra sûrement t'aider à trouver ce que tu cherches. Je ne sais pas si ça peut faire le niveau de pilotage, mais à deux, ça peut le faire. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu sautes hors de cette planète, je vais grimper sur ton dos. On pourra chercher les fragments de mon père ensemble. Ok... Ah, cool. C'est trop génial. Nous voilà dans l'espace galactique, où les pièces de mon père ont été éparpillées. Il y en a trois. Une à l'ouest de la galaxie, une autre complètement à l'est, et une autre au centre. Mes réacteurs spatiaux sont activés, partons explorer le cosmos, plein gaz. Ah, c'est trop bien ça. Oh, c'est génial. Non mais attends, je peux aller partout, je peux aller tout visiter là. Oh, j'ai fait un carnage. Ah!
Ah, je peux pas aller là-bas? C'est joli comme ça, en tout cas, le monde. Ok. Là, il n'y a rien à faire. Bon, ouais, faut que j'aille par là. Putain, faut pas que je tombe. Hein. Tombe, tu dégles, là. Hein, de trop faire. Alors attends, il y a sûrement un truc là-haut, comme ça. Yes. Nickel. Alors, par là. Dégage. Et merde. Oh! C'est ça. Tiens donc, des visiteurs. Bien bonjour, moi c'est Terry, on ne voit pas beaucoup d'êtres vivants par ici. Dites avant que vous nous repartiez, j'ai trouvé une babiole qui brille. Vous pouvez la prendre, comme ça, vous m'oublierez pas. Ah, c'est un des morceaux du truc. Parfait. Et là, par contre, on en trouve des trucs quand même, hein. Des ampoules, ouais. Le marcheur stellaire, trophée, au-dessus du projecteur d'étoiles.
Nous sommes Géraldo, le roi confiote. C'est notre anniversaire aujourd'hui, vous savez, 60 ans. Nous aimerons avoir un bel étal de bougies pour notre anniversaire, une bougie pour chaque décennie de notre existence. Il se trouve qu'il y a 6 bougies quelque part dans les environs, si vous pouvez les allumer toutes, vous ferez le bonheur d'un vieux roi. Eh ben, 6 bougies allumées. Ah, ouais, tu les allumes comme ça, quoi. C'est stylé quand même, hein. Ça, c'est stylé, ouais. Ah putain, il y en a une qui est emprisonnée, attends. Ok. Attraper quoi? Ah ça. Ah d'accord, ok. Oh, je n'avais pas compris comme ça. Allez, dégage toi. Tellement grandes les cartes, j'ai peur de trop passer à côté de choses que j'aurais pas vu quoi. Et ben voilà. J'ai fait un vieux monsieur heureux. Ils sont allumés et ils l'ont fait revenir ici pour recevoir un cadeau royal, mes chers sujets. Vers l'infini et au-delà. Ah! Oh les bâtards, ils m'avaient caché un truc dedans. Nous souhaitons vous offrir un gage de notre reconnaissance royale, ce truc en métal. Ouais, parfait, 2 sur 3. Je crois qu'on est prêt à affronter la zone de guerre là-bas. En route! Parfait. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Le chapitre est quand même assez long. Ben du coup, on le fera en deux parties.
par là, ben, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Sur ce, ciao ciao.